Salut à tous, c'est Mokey. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, je sais, ça faisait très longtemps. Bon, voilà, aujourd'hui, vidéo, on va dire un peu classique. On revient avec un petit classique. La présentation de mon nouveau vide. Donc voilà, je sais que ça fait longtemps. Ça fait plaisir de Zach à la caméra. Son Instagram, il s'affiche, ça faisait longtemps. Ça va, Zach? Ça va. Bon voilà, bon, alors on va vous présenter le véhicule, on va vous le montrer, vous inquiétez pas, dans une minute. Juste pour vous dire déjà que j'étais un peu malade. Ouais, donc comme j'ai dit, j'avais 2-3 petits soucis, j'étais malade, etc. Vous savez, les soucis, des fois, ça, on n'est pas très motivé. Mais bon voilà, là on revient sur une bonne base, on revient sur de la motivation. Et voilà, les vidéos reprennent. Donc voilà, rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. Donc voilà, alors aujourd'hui, j'ai acheté un véhicule. Comme je vous ai dit, j'ai acheté un nouveau véhicule. J'ai acheté deux nouveaux véhicules en fait, en vrai. C'est le premier véhicule qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc attends, ne le montre pas Zach. Donc voilà, alors le premier véhicule, en fait la vidéo va se dérouler en deux parties si vous le souhaitez, tout simplement. Donc c'est simple, s'il y a 10 000 likes sur la première vidéo, je vous présente le deuxième véhicule. Bien évidemment, je tiens à vous dire, j'ai rien contre ceux qui font de la location, c'est bien et tout, mais voilà, celui-là, le véhicule là, moi, c'est un véhicule personnel, les deux. Je vais vous montrer même les cartes grises, parce qu'il y en a, on ne sait jamais. Donc voilà, alors on va vous présenter le véhicule. J'ai fait deux choix, vous allez voir en fait. C'est la première fois que j'ai ce véhicule là. Donc vous pouvez mettre pause en commentaire et deviner, hein, ça c'est pas un souci. Et moi ça vous fera un petit jeu. Donc voilà. Franchement, on va demander l'avis de Zach. Zach, toi t'en penses quoi du véhicule? Bah, c'est une très belle voiture, moi, toi, pour moi j'aime bien. Toi t'aimes bien? Moi j'aime bien. Donc voilà, on va monter dans le véhicule, on va aller faire un tour, etc. Donc je tiens à vous dire, le véhicule, je vous donne un indice avant que vous mettez en commentaire. Donc voilà, le véhicule déjà, il est reprogrammé. Donc, je tiens à vous dire, il est à 230 chevaux. Donc voilà, à vous de deviner c'est quoi. Mettez pause et regardez en commentaire sans tricher bien évidemment, parce qu'on vous connaît, hein. Ils vont passer, ils vont voir le véhicule, après ils vont dire c'est quoi. Bon voilà, alors on va vous présenter le véhicule. Zach, viens ici. Donc voilà, c'est un peu une fierté quand même, j'en ai acheté deux. Et le deuxième, je vous le dirai, bah, si vous kiffez tout simplement la première vidéo. Donc voilà, alors c'est parti, tu peux montrer le véhicule. Voilà, donc voilà, le fameux véhicule. Donc voilà, on est sur un Golf 7 GTD de 2018. Voilà, voilà. Donc, voilà l'aspect du véhicule, tu peux reculer, tu peux montrer à l'arrière. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bon, on a fait le petit tour. Bon, voilà, alors pourquoi j'ai choisi ce véhicule? Donc voilà, tout simplement parce que il me fallait un petit daily. Voilà, pour ceux qui savent pas c'est quoi un daily, une voiture de tous les jours. En gros, voilà, j'ai pris un Golf 7 GTD parce que bon, je trouve que le véhicule est plutôt beau pour un diesel, tout simplement. Je vais changer les jantes. Les jantes qui ont été faites. Donc voilà, c'est un Cobra qui a été fait. Donc voilà, c'est un produit qui a été très bien fait. Donc il y a des réductions pas chères chez lui, on va vous montrer. Tout s'affiche ici, là. Vous pouvez aller chez lui, il fait du très bon boulot. Le mec a déjà fait des voitures de fou, robots, etc. Donc il s'y connaît très bien. Donc voilà, moi j'avais des vieilles jantes au début et j'ai voulu les repasser en noir. Donc voilà, je trouve que ça donne un petit côté agressif. On va aller faire un tour. Le véhicule a été reprogrammé. Il fait 184 chevaux d'origine. Il a été reprogrammé à 230 chevaux. Donc voilà, là, je trouve qu'il pousse déjà pas mal pour 230 chevaux. Donc, c'est parti. On va monter. Zach, tu peux monter dedans. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc, c'est un véhicule qui a pratiquement toutes les options. Hein. Voilà, c'est un démarrage sans clé. Donc voilà, on appuie juste là. Hop, le véhicule se démarre. Comme je l'ai dit, c'est un 2018 le véhicule, donc il est très récent. Et on va tout de suite aller faire un petit tour, donner les impressions aussi au caméraman qui monte pour la première fois dans le véhicule. Donc on va aller voir avec lui, il va nous donner sa réaction. Et voilà quoi, le but c'est de profiter, d'aller faire un petit tour et de kiffer quoi. Donc voilà, je tiens à vous dire, bon après là il y a plein de modes, etc. Il y a aussi le mode, donc voilà, vous cliquez ici, je sais pas si tu vois, on clique là sur mode. Alors on enlève ça, hop, on clique sur mode, donc voilà, il y a plusieurs modes, etc. Il y a sport, après il y a individuel, et après on peut paramétrer, tout ça. Et voilà, et on peut même se mettre aux palettes, donc on fait juste ça avec la boîte de vitesse, pour ceux qui s'y connaissent, voilà. Et là on est en palette, et voilà. Donc on va aller faire un petit tour avec le véhicule, voir ce que Zach, il en pense.
Donc voilà, pour l'instant, bon, ça reste un diesel, c'est pas... Waouh. Franchement, c'est un véhicule qui pousse quand même pas mal. Bon, Zach, par contre, on évite de montrer le compteur. Tu sais, faut pas trop montrer le compteur si tu veux ici, mais pas le compteur. Bon, voilà, sinon, c'est un véhicule dans l'ensemble qui est vraiment... C'est un véhicule, franchement, qui me plaît énormément. C'est un véhicule pour rouler tous les jours. Hein. Le deuxième véhicule, je tiens à vous dire que tu peux me filmer. Le deuxième véhicule que j'ai acheté... Ça n'a rien à voir avec celui-là, c'est l'opposé en fait. Donc c'est un véhicule déjà premièrement qui est essence et qui fait du bruit. Et je pense que vous allez kiffer parce que là on est vraiment dans le sport. Là c'est pas, on va dire c'est pas sport, ça reste un diesel. Bon ça accélère quand même, hein. C'est... Voilà, tu vois, ça c'est bien. C'est cool, mais ça sera pas l'accélération d'une essence. Jamais. J'ai eu un Cayenne, c'est pas pareil, c'est l'essence, ça n'a rien à voir. Sinon, au niveau consommation, ça va, ça consomme pas. Et voilà, bon, ça va faire un mois que j'ai le véhicule, je ne l'ai pas montré. Je l'ai montré sur aucun de mes réseaux sociaux, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Et franchement, le véhicule, au bout d'un mois d'utilisation, nickel, propre, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, je pense qu'il est plutôt pas mal. Et il fait un bon bruit pour un diesel. Je sais pas si on va bien entendre, mais il fait un bon bruit. Donc voilà. Il manque juste une option, mais bon, je la voulais pas forcément, c'était le toit. Il n'y a pas de toit au moins. Malheureusement, moi aussi, non, à part ça, dans l'ensemble, il est plutôt bien. On va ensuite faire essayer le véhicule bah, du coup, à Zach, qui va nous donner son ressenti après. Donc, il n'a jamais conduit le véhicule, hein. On va voir ce qu'il en pense. Et va nous dire s'il le trouve bien ou pas. Voilà, on va se retrouver dans une petite dans un petit endroit sympa où il y a un peu de zigzag et on va voir ce qu'on peut faire là-bas. J'accélère, je passe en dessous ou pas? Dites-moi, on passe ou pas, Zach? Go! On fait quoi? Go! On fait quoi? Ah, demain, franchement, là, avec le quad, je passe. La vie de ma mère, je passe. Ah, oui, 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 oui. Mais t'es fou, je passe normal là en quad. Se faire plaisir. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, je précise, je suis en palette depuis tout à l'heure, donc c'est moi qui passe les rapports. Et voilà, là on se remet en automatique. Et la voiture va passer les rapports toute seule. Donc voilà, là on va inverser les rôles, je vais filmer le caméraman, Zach qui va conduire le véhicule, il va nous dire ce qu'il en pense. Et voilà, tu vas nous donner tes impressions. T'es chaud? Ouais. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. On monte. Ah oui, putain. Place-toi, Zach. Il va se placer, c'est la première fois qu'il conduit le véhicule, hein. Donc voilà. Un passage. Carte grise, on ne sait jamais ceux qui disent c'est une location. Hop, la ceinture, toujours, c'est important la ceinture. Tu la mets souvent là? Non, je la mets pas toi. Quand t'es passager, dis la vérité. Quand t'es passager, je la mets. Ah, c'est pas bien. C'est bon, t'es bien placé? Ouais. Je t'ai mis en D? Ouais. T'es en D? Ah bah c'est bon. C'est bon, voilà. Ça. Tu regardes tes rétros, il n'y a personne. C'est parti. Non, attends, il y a le tracteur. Donc mets-toi un petit peu là, là. Comme ça tu le laisses passer, monte un petit peu.
et après tu pourras y aller. C'est parti. Ça va pour le moment? Ouais, ça va. Tranquillement. T'es bien, t'es confortable. Ouais. Tu vois, t'es à l'aise quoi, on va dire, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai. Et la pointeur, c'est vrai que les sièges, moi j'aime ouais. bien. C'est vraiment... Mais en plus, là, on est en campagne, donc pas trop de monde, y a pas trop de voitures. Pas trop de voitures, c'est ça qui est bien, en fait, avec vraiment aux grandes villes. Là, on est tranquillement. Non, franchement, tout bien, t'as à l'aise. Je parle pas, je le laisse profiter. Dès qu'il a quelque chose à nous dire... Ça fait un moment que t'as le permis toi. C'est à dire que lui il me gère bien, tu vois. Il me fait peur en plus un peu en voiture. C'est un Turc, donc les Turcs au volant, vous savez, ils ont un peu le pied lourd. Hein. Par contre les virages là, quand il pleut, je pense que c'est pas la même. Là, ça fait du tout. C'est pour ça là, ça va encore, tu vois. Vas-y, mets voir un petit pied là. Ça faisait quand même un bon moment que j'avais pas sorti de vidéo quand même. C'est vrai que ça, ça fait. Non, j'avais fait une vidéo sur le coronavirus, mais c'était il y a deux semaines. Deux ou trois semaines. Mais juste avant, j'avais fait une petite pause parce que voilà, vous savez, après, on est malade, on a trois petits soucis à droite à gauche, voilà quoi. Je pense que ça arrive à tout le monde, des fois on a des petits coups de mou. Mais voilà, là aujourd'hui on revient vraiment, on revient très très fort et on revient avec une petite présentation de véhicule. Le deuxième véhicule, il va être vraiment pas mal, je vous le dis. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec celui-là, ça, je vous dis, c'est un petit véhicule. On va dire entre guillemets, c'est pas un petit véhicule, mais voilà quoi. Et c'est bien, mais le deuxième sera vraiment mieux. Franchement le deuxième, et je pense que vous pouvez deviner le véhicule. Il n'y a pas... Ouais, vas-y, tu prends à droite. Ouais. Vous pouvez deviner le véhicule, je pense, sans souci. C'est pas un... C'est un véhicule que... On peut voir dans la rue, c'est pas un souci, ça. Mais... franchement, ouais, vous pouvez deviner. Bon, sinon, à part ça, voilà. Si la vidéo, elle vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker. Hein. Comme ça, on vous montre le deuxième véhicule. Et le deuxième, c'est le jour et la nuit, tout simplement. Voilà. Alors, t'en penses quoi, toi? Franchement, magnifique. Je pense que... T'aimes bien? Ouais. Et je pense que tu vas kiffer plus le deuxième véhicule, je pense. Ah bon, tu penses? Donc voilà, je tiens à vous dire, lui, il n'a pas vu le deuxième véhicule, donc ça serait une surprise. Pour ça, ouais. Donc voilà, ça va être une surprise pour lui. Et je pense que... Après, peut-être tu vas kiffer celui-là, hein, tu vois, les goûts et les couleurs. Après, oui. Voilà. Mais franchement, de toute façon, même moi, tu sais, je suis chez Golf. J'aime bien Golf, tu vois. Ouais. Je suis plus Golf, tout ça, GTB, GTI, j'aime bien, tu vois. Donc, après, je vais pas te mentir. Mmh. Tu vois, c'est Merco, c'est Mercedes. Tu kiffes Merco ou quoi? Mon coup de cœur, c'est Mercedes quand même. Je vais pas te cacher. Franchement. Non, bah vous verrez au prochain épisode si vous kiffez la vidéo là déjà. Et puis voilà, bon, on va se retrouver dehors pour la fin de la vidéo. Et on se dit à tout de suite. Voilà aussi ce que je trouve pas mal sur ce véhicule, c'est les clignotants. Donc vraiment, je kiffe vraiment. Regardez, clignotant dynamique. Franchement, ça change vraiment tout sur le véhicule, ça change des clignotants, on va dire entre guillemets, basiques quoi. Ou sinon aussi la signature lumineuse, j'aime vraiment bien. Bon, ça a le bruit d'un diesel, on sait c'est moche, mais voilà. Le deuxième véhicule, je pense que vous allez kiffer. Bon voilà, on se laisse sur ça, j'espère que la vidéo vous a kiffé, vous avez kiffé la vidéo, voilà. Dites-moi si vous voulez l'épisode 2 pour le deuxième véhicule, je me suis répété au moins 8 fois durant la vidéo. Mais voilà, c'est que ça faisait longtemps et tout, c'était entre nous, t'as capté quoi. Bon voilà, on se laisse sur ça, passez une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao.